Bonsoir à tous. Ce soir, cours de remise à niveau de coupé décalé et de Ndombolo. Et pour moi, il était temps. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une autre famille et ce soir j'ai décidé qu'il était temps de me mettre à niveau. Bah oui, parce que j'en ai marre qu'à chaque fois que je danse du coupé décalé ou du Ndombolo, on ait l'impression que je fasse, je sais pas, du breakdance. Allez, cours de rattrapage. Attention, vous imaginez qu'il y a votre mari. Attention, le patron, il nous a énervé ce soir. Allez, allez, vous le point. Ça va? Ça va? Le volcan est en éruption. Ah ouais, non, là, le volcan. On va aller sur une partie Ndombolo, les filles. Là, on a fait un peu du coupé décalé, on va repartir sur le Ndombolo. Ok. Yaka. Alors voilà, donc c'est bien ce que je me disais. Coupé décalé, Ndombolo, c'est pas la même chose. Et Bake Omer Yonde. Et voilà, Kasso. Maïbo Lakisa. Oyoki Biloko ya flamme. Mandi Mandongo. Edo Moussamba. Salut Hervé, Maëva, Raji. Bonsoir les filles. Bonsoir. Total respect, hein. Je me suis barrée avant. Voilà, Hervé, est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre le, on dit le Ndombolo, c'est ça? Oui, le Ndombolo. Ndombolo et le coupé décalé. Le Ndombolo, c'est basé plus au niveau des hanches. D'accord. C'est vraiment les mouvements des hanches qui tournent beaucoup. À la différence du coupé décalé, c'est vraiment saccadé. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de tourner les reins, tu peux simplement poser les pieds, comme par exemple, tu vas faire que ça, faire que ces mouvements. Donc c'est ça la différence. Et là, ce qu'on vient de faire, c'était quoi? C'était un mélange des deux, en là, fait. Au début, ce qu'on a fait avec les filles, on a fait du coupé-décalé. Donc, comme vous voyez, j'ai fait du coupé-décalé, mais j'ai tendance de toujours mettre du Ndombolo, parce que moi, ma base, c'est vraiment du Ndombolo. Tes élèves, c'est quand même très féminin. Il n'y a pas de garçon? Si, il y a un garçon. Oui, il est parti, d'ailleurs. Il y a un garçon, mais À la base, pourquoi il n'y a pas trop de garçons? Parce que le Ndombolo, c'est une danse vraiment très efféminée. Pour sensuelle. Le coup, c'est vrai que rouler les hanches comme ça, c'est pas très masculin. Et en général, les mecs coincent un peu. C'est ça. Je dis ça, je dis rien. Donc, c'est juste pour me venger parce que j'ai eu l'air un peu ridicule. Donc c'est beaucoup plus ça. Donc ça fait que quand les garçons... Il y a des garçons qui viennent. Ils viennent, mais ils lâchent vite fait. Mais par contre, pour le couper décalé, c'est bon. C'est toi qui as eu l'idée d'associer en fait le coupé décalé et le Ndombolo en même temps? Non, en fin de compte, le... C'est naturel? Le Ndombolo et le coupé décalé, pour moi, pour ma part, c'est pratiquement la même chose. À la différence, c'est qu'il y a des personnes qui ont eu du mal à danser le Ndombolo. En gros, c'est le Ndombolo pour les nuls. C'est le Ndombolo qui a ramené pour les coincés. Ouais, le Ndombolo qui a ramené le coupé décalé. D'accord. Et toi, tu as réassocié les deux? Et moi, j'ai réassocié les deux. Donc, ça fait que quand je danse le Ndombolo, je danse le coupé décalé, c'est pour moi, c'est la même chose. Alors, dis-moi, dernière question, pourquoi est-ce qu'on t'appelle Hervé le Volcan? Parce qu'à la base, quand je commence un truc, il y a le feu. Je sais pas si vous avez vu, c'est vraiment le feu, c'est comme le magma, quand il arrive, personne ne peut l'éteindre. Donc moi, quand je démarre, c'est vraiment le volcan. Vous avez compris? Là, il vous a coupé et il vous a décalé, comme ça. Bon, je repars en coupé décalé? Bien sûr, on repart en coupé décalé. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors là, tu vois, je vais aller voir un groupe de rock marseillais. Je suis pas sûre qu'ils aiment forcément ma choré. Ah, mais qui sait, en même temps, ils viennent de Marseille, ils viennent du Sud. C'est bon? C'est bon. Allez, coupez, 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 coupez. Non, on va pas faire ça tout le long. Merci Hervé, à bientôt. Salut. Adé, calé, guada. Wouh, wouh. C'est chaud. Brûlant. Je
chercheuse était.